On peut avancer ou c'est dangereux? Non, vaut mieux pas trop avancer, on n'est pas protégé, mais un petit peu quand même, si vous voulez. Un petit peu, on avance un petit peu avec vous. Ouais. Vous avez eu des pertes cet hiver? Ouais, bah sur l'ensemble du cheptel, on a 20-25% de pertes. Pour compenser cette mortalité, le gouvernement vient de mettre en place une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros destinée aux apiculteurs. Pas de quoi pour autant satisfaire Guillaume Leca, propriétaire de 400 ruches dans ce sous-bois de Lannoy-Cuillère, au nord de l'Oise. Pour lui, l'État fait fausse route. Est-ce que vous allez demander cette aide? Non, je ne vais pas la demander, puisqu'elle est complètement inutile. Elle ne nous permet pas de savoir quelles sont les causes de mortalité massive de ces abeilles. Et elles sont destinées à des individus, à des exploitants, alors que ça devrait plutôt être destiné au collectif, à la recherche scientifique pour connaître ces causes, au développement apicole. Des ruches décimées par ce parasite, le varroa. À cela s'ajoutent les pesticides, la météo ou encore le frelon asiatique. Pour les professionnels, l'aide forfaitaire de 80 euros par essaim acheté n'est pas suffisante. D'autant que les critères d'attribution sont jugés trop stricts. Ce que je trouve quand même fort des cafés, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir au minimum 30% de pertes. Donc c'est établi que bon, bah, c'est normal, les abeilles, on doit perdre 30%. Quel éleveur, quel producteur serait satisfait d'un tel chiffre? C'est scandaleux quelque part, quoi. Le miel de Guillaume Leca est 100% bio. Avec sa compagne, il en produit 5 tonnes par an. Malgré la mortalité de ses abeilles, sans aide financière, il se veut confiant. En Picardie, on peut faire de l'apiculture, ça étonne plus d'une personne, mais on vit bien de l'apiculture à partir du moment où on a les bases techniques. On peut faire du volume de miel, notamment sur le miel de tilleul de Picardie. On compte 1110 apiculteurs déclarés dans la région. Moins de 5% sont des professionnels. Tous ont jusqu'au 5 novembre prochain pour déposer, ou pas, leur demande d'aide.